Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et nous avons deux invités aujourd'hui. Incroyable. Sébastien Coé et Cécile de Ménibus. La méthode Coé, le retour. Ouais. Ça bonjour. Va ouais. Bah ouais, on est ravis. Merci de nous accueillir bah chez vous. Bah oui, on était un peu obligés. Hein, ouais. C'est chez toi ici. On a eu reçu une note. Voilà. Merci de recevoir Cécile de Ménibus. Et d'être sympa, de dire que c'était génial. Voilà. Mais c'était génial. Quand on regarde ça, on se dit, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Et pourtant, ça et paraît. Quelle liberté. Oui, c'est ça. C'est ce qui surprend, c'est ça, c'est la liberté, les invités que vous aviez, c'est-à-dire, enfin bon, on va en reparler. J'étais tellement jeune. Elle a pas changé. Allez, ouais. On a pris un coup de pelle, mais sinon. Non, pas tant que ça. Donc la méthode Coé, 20 ans, c'est ce soir sur C8 à 21h20. Donc c'est un peu comme il n'y a que la vérité qui compte. Vous reprenez les meilleures séquences et vous êtes tous les deux. Entre ces séquences où on peut vous admirer devant le fauteuil bleu. Ouais. Et on va en reparler dans un instant avec vous. Mais on commence avec le zapping de Gilles qui démule son micro. Sud Radio Média, laisse ton zapping. Ça s'appelle un casque. Vous êtes un peu dyslexique. Oui, un peu comme vous. Hier Emmanuel... On dirait nous, c'est ouf, non? Oui. C'est rigolo. Hier, Emmanuel Macron a été boycotté par la plupart des associations sur le handicap. En France, l'accessibilité est un vrai souci. Coup de gueule de Dominique Farrugia, c'était dans C'est à vous hier. Les Français, on a le droit de vote. Moi, ça me révulse quand je vais... Ça m'est arrivé une fois. Je votais dans le 16e arrondissement, à la mairie. L'ascenseur était en panne, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu voter. Ça me rend fou. Encore une fois, moi, je fais partie des privilégiés. Je gagne bien ma vie, j'ai un travail. C'est formidable. C'est formidable. Je pense aux autres aussi. C'est terrible. Vous avez reçu les nuls dans la méthode Coé ou pas? Non, jamais. Non, ils n'étaient plus ensemble à l'époque. C'était bien après qu'ils se sont. On les a revus ensemble à l'époque. Ils étaient, non, ils et puis ils étaient ensemble. Canal, donc Canal TF1, c'était pas, ça faisait pas bon ménage à l'époque. C'était pas la meilleure. Ouais, ça sentait mauvais TF1. Ouais, enfin, non, on a reçu quand même des gens de toutes les chaînes. Ouais, mais bon. Non, si, quand même. Mais c'est surtout qu'ils faisaient plus rien ensemble à cette époque. Alors c'est vous, hein, Sébastien, qui avez eu la primeur des déclarations d'Ahmed Silla après celle de Blanche Gardin sur le salaire de 200 000 euros. Alors il a fait toutes les chaînes, hein, grâce à vous, et après que vous l'ayez reçu à la radio. Talons, mais oui, pour les 200 000 euros pour LOL sur Prime Vidéo, hier Ahmed Silla est revenu une nouvelle fois sur cette déclaration. Il était dans Clic sur Canal+. Il y a deux choses, il y a refuser l'émission. Et dénoncer tout ce que représente Amazon, le système, tout ça, Jeff Bezos, machin. Ok, c'est deux choses complètement différentes. Mais soit tu dis rien, sinon prends l'oseille, donne-le à des associations, tu vois, tout. Mais tu peux, tout peut s'arranger, mais t'es pas obligé de critiquer tout, tu vois. Ou alors, je sais pas, c'est très compliqué, quoi. Mais j'ai pas aimé la manière dont ça s'était fait, parce que il s'agissait que de l'argent. Et genre, ça la faisait passer pour une reine, une princesse, d'avoir refusé de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous a dit une fois le micro éteint? Est-ce qu'il vous a donné son salaire? Est-ce que non, vous non, non. Avec lui? Mais ça a été, c'est très étonnant. Vous savez, des fois, les choses qui sont reprises comme ça, à la va-vite. Parce que vous faites une émission complète, super drôle. Et l'émission sur Énergie avec lui était incroyable du début à la fin. Et ça paraît ce qui était anecdotique parce qu'en fait... Dès le début, on en a parlé, mais c'est, vous savez, des fois quand vous êtes intervieweur, vous voulez faire dire quelque chose, mais c'était pas ça du tout. Il n'était pas là pour ça, il était là pour son film et pour s'amuser avec nous à l'émission. Or, il se trouve qu'on en a parlé comme ça pendant 5 minutes, de façon très décontractée. Donc, mais alors, on pensait pas que ça allait être repris comme ça. Au moins, il a dit ce qu'il avait envie de dire, et puis voilà. Et vous en pensez quoi, vous? Alors là, ça me concerne pas du tout. Je trouve que c'est marrant qu'on bloque des fois sur des salaires pareils quand c'est des footballeurs qui mettent des buts, on en parle moins. Moi, je trouve que s'il y a des, on se doute bien que si vous avez tout le cinéma français qui vient faire une émission où il ne faut pas rire, c'est qu'ils prennent de l'argent. Mmh. Alors, 200 000 euros, la somme peut choquer aussi. Est-ce qu'à 100 000, elle choque? Est-ce qu'à 60 000, elle choque moins? Ça reste quand même énormément d'argent. C'est parce qu'on met une somme. Mais si on vous avait dit, ils sont venus pour 15 000 la journée. C'était la même chose. Voilà, c'est pas le montant. C'est qu'on a l'impression qu'on découvre que des gens de cinéma sont venus à la télévision par plaisir. Non,
ils sont venus. Parce qu'ils sont payés. Parce qu'ils ont payé. La seule fois où ils sont venus par plaisir, c'était à la méthode Coé. Oh, bah ouais, aucun invité n'a été payé à la méthode Coé. Jamais. Aucun, même les Américains. Non. On a failli. À part une, qui avait été payée, mais finalement. On ne peut pas le dire. Non, c'était vraiment la première année de la méthode. Ça s'est très mal passé, donc elle est partie. Elle a pris tous les cadeaux, mais on ne l'a jamais payée. Ça s'est pas mal passé à cause de nous. Ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? C'était avec un autre invité qui autour de la table lui a fait une blague. Elle n'a pas aimé du tout. Elle s'est levée, elle est partie. Alors que on s'est regardé avec Zia, c'est quand même incroyable. Parce qu'à l'époque on avait genre 2 mois d'existence. Il avait fallu faire un dédommagement et c'est vrai qu'on lui dit très honnêtement, quand on fait ce genre d'émission, vous avez du mal à remplir parce qu'il faut prouver les audiences, que les invités sont bien traités. Les Américains vous demandent des bandes. Enfin. Il faut montrer patte blanche. Voilà. Et ça a été très compliqué. Et on s'est dit quand même, elle est gonflée parce qu'elle est partie. Et tous les cadeaux. Je trouvais ça dingue. Il y avait quoi comme cadeau? Il y avait des beaux cadeaux. Il y avait genre un iPad, quoi. Je me souviens un truc comme ça. Vous voulez faire du buzz? Il y avait des Rolex. Bien sûr. Il y avait des Daytona. Comment? Bien sûr que non. Il y avait excusez-moi, je suis naïf. Non, mais je crois que c'était une sorte d'iPad ou un truc comme ça de l'époque. On parle de ça il y a 20 ans. C'était un TO770. Non, mais c'était un et donc elle avait pris toute la bouffe et tous les cadeaux. Qui? Au revoir. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui elle doit regretter. C'est plutôt... Mais c'est une Américaine? Non, c'est une Française. Ah, une Française, d'accord. Ouais. Voilà, donc là c'était pour Sébastien. J'ai pensé aussi à vous, Cécile. C'est l'émission la plus regardée d'M6. Mais oui, vous avez vu dans L'Amour et dans le Pré, pour la première fois, eh bien ils ont un candidat qui n'a pas reçu de lettre. Vous pourriez lui écrire à David. David, il n'a reçu aucun courrier, c'est un agriculteur. C'est monstrueux. Oui, mais vous connaissez Karine, elle a un grand cœur. Alors du coup, elle a été le voir pour surtout pas buzzer. Hein. C'est le cœur qui parle. Pour si jamais on peut lui écrire et puis lui envoyer une lettre. Il se sort pas du tout de lui, M6. Comment vas-tu, David? Je vais très bien. T'as enlevé tes lunettes? Oui. Bon, c'est pour qu'on voie mieux mes yeux bleus. Voilà. Opération séduction. Voilà, oui. J'essaye tout à fond. Malheureusement, il n'y a pas de speed dating aujourd'hui. Bah, c'est la vie, après faut avancer. Hein. Il y a des choses que toi, quand tu as vu ton portrait, où tu t'es dit, qu'est-ce qu'on n'a pas montré? Le côté, surtout très joyeux quand je fais la fête, tout ça. Oui. J'ai un problème, c'est que des fois, je parle très très vite. En plus, tu as la langue un peu qui zozote. Est-ce que c'est peut-être ça qui les fait peur? Je sais pas. C'est juste une particularité que j'ai, c'est tout. Hein. On y voit la ferme, avec la valise, la cote et les bottes. Ouais. Franchement, il est trop chaud. Il est trop chaud. C'est dingue. Vous êtes en train de dire que c'est un peu fabriqué, peut-être? Je trouve en train de dire qu'on utilise quelque chose pas très bien. Et moi, moralement, ça me gêne, personnellement. Mais c'est vrai que c'est un peu triste parce que prendre quelqu'un de dire là, on n'a pas reçu de courrier, on est moche, on zozote. Mm-hmm. Comment ça se fait? C'est bien, t'as enlevé tes lunettes. C'est pour faire une jolie story, une jolie histoire. Allez, on continue. Je vais le demander en mariage, vous allez voir. Sinon, Sébastien, il est aussi jeune que vous, Philippe Laville. Comme vous, il fait de l'argent avec du réchauffé. Et oui, il sort un nouvel album. Dis-donc, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? d'être venu, il va partir, il va prendre les cadeaux dans la loge. Oui, puisque c'est comme ça. Il va prendre la Rolex et la Ferrari et il va partir. Les cadeaux dans la loge, c'est un stylo Sud Radio. Il n'y en a même pas, d'ailleurs, on l'a vu. Si, il y a des stylos Sud Radio. Mais il n'y a pas de loge. Attends, t'as pas payé ton café déjà? Estime-toi heureux, s'il te plaît. Il tape toujours sur des bambous, c'est le seul point commun qu'il n'a pas avec... Et il était où? Avec Sébastien Coé, il était dans C'est à vous. D'accord. Il tape sur des bambous et ses numéros. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Sur Radio Jamaïque. Ça marche toujours, il tape sur des bambous. J'adore Philippe Laville. Il est tellement mignon. Gentil. Très gentil. Vous l'avez reçu dans la méthode? Philippe Laville, il est tellement bien élevé. Vous vous souvenez de tous vos invités? Non. Il y a des gens, vous voyez, vous dites, est-ce qu'on l'a reçu ou pas? Moi, c'est lui ma mémoire. Moi, je me souviens de rien. Je raconte un truc, il me dit non, c'est pas lui, c'est l'autre. Je raconte une anecdote, il me dit non, ça s'est pas passé là, ça s'est passé là. Vous vous souvenez de Rocco Siffredi quand même? Ça, je m'en souviens, je vous remercie. La méthode Coé, les 20 ans, ce soir sur C8, on en parle dans un instant avec Sébastien Coé et Cécile de Ménibus. A tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Ça fait bizarre d'entendre ça. Fais la tête!
Non, je ne fais pas bien. La méthode Coé, Sébastien Coé, Cécile de Ménibus, les 20 ans, déjà 20 ans. Ah, c'est fou. Hein. Déjà 20 ans, ah, c'est incroyable. C'est dingue. Et quand on regarde, on se dit, mais c'est incroyable la liberté qu'il y avait, la liberté de ton, le côté déjanté, formaté des choses. Je rappelle qu'à l'époque, Étienne Moujotte venait nous voir en disant, allez-y, envoyez du lourd. Ouais. Il trouvait que parfois on n'allait pas assez loin. Ouais. Allez-y. Comment ça a commencé a eu l'idée? Les producteurs étaient Bataille et Fontaine à l'époque. C'est le mélange de plein de circonstances. On faisait de grosses émissions qui marchaient fort à la radio à l'époque. Ouais. On était déjà la bande que vous connaissiez, Cécile, Mico, Cartman, etc. Et moi, j'avais fait un peu le tour des télés. J'avais compris que personne ne voulait de moi. Et à un moment donné... Vous aviez marché sur M6, ça n'avait pas mal marché. J'avais fait des petits trucs au démarrage, mais j'étais gamin. Bon, j'avais fait une croix sur la télévision en disant que la radio était vraiment l'endroit d'expression pour moi, dans lequel j'étais bien. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil. Ça, d'un seul coup, Étienne Moujotte se retrouvait avec une vidéo de Coé TV, qui était une émission un peu dingue, où on recevait un politique avec à côté de Nicolas Sirkis, à côté d'un chanteur des années 80. Ça ressemblait à rien. On se balançait du fromage, des petits lus. Enfin voilà, on pourrissait le studio de Laurent Ruquier. Il y avait du fond, quoi. On partageait celui de Ruquier sur Europe 1. Donc, on lui pourrissait son studio chaque semaine. Il voit la vidéo avec Ségolène Royal, qui avait fait un truc marrant chez nous. Puis il en parle. Et on reçoit en même temps Bataille et Fontaine, quasiment à quelques semaines près, comme invité, qui me disent ce que tu fais là, faut que tu le fasses à la télé. Puis finalement, quand TF1 nous a dit on aimerait bien, on les avait rencontrés, on s'est dit eux sont bien, ils font pas ce qu'on fait. Donc ils seront des bons conseilleurs, sans être des donneurs d'ordre. Je voulais pas être produit ou coproduit par quelqu'un qui faisait la même chose que moi. Bien sûr. C'est vrai, vous avez une compétition. Bien sûr. Et ça, je voulais pas ça. Donc et on a commencé comme ça parce qu'on ne savait pas du tout faire de télévision. Ah bah, et Cécile n'avait jamais fait de télé, Cécile de Ménibus. Ah bah non, jamais. On faisait Coé TV. Oui, on faisait Coé TV, mais on faisait de la radio en fait. Je savais pas faire de la radio non plus à l'époque. Enfin, je sais toujours pas. Marcia qui dit Cécile, je vous préfère largement actuellement chez les vraies voix de Sud Radio. Certains disent quelle évolution, Cécile. Effectivement, vous avez fait du chemin depuis la méthode Coé. Bah ouais, mais vous acceptiez ce rôle de blonde à forte poitrine. Alors, non seulement je l'acceptais, mais en plus je poussais sur le trait en fait. J'allais jusqu'au bout de l'histoire, et c'est pour ça que souvent je dis aux gens, tout le monde me dit oui mais c'était pas vous, bah si c'était moi, sauf que c'était poussé à son paroxysme, et souvent on joue un rôle, on est une caricature de nous-mêmes. Après, il faut... Mais vous en avez souffert derrière, ça a été compliqué après. Ça a été compliqué d'en sortir, ça a été compliqué de se désengager de la marque TF1, de se désengager de mon binôme avec Coé, donc, parce que pendant 20 ans, il est où Coé, donc à un moment donné Coé. Ouais, il est sympa, il est comment en vrai, il est machin, enfin voilà. Ouais. Donc, et ça a été, je rappelle toujours une anecdote, je tairais la marque. Au début, on me traitait de potiche. Et au bout d'un an ou deux ans, je ne sais pas si tu te souviens, Coé, il y a une marque de fleuriste qui est venue me voir en me disant comme on vous traite de potiche, je ne voulais pas faire c'est sympa. Une pub avec nous dans un pot de fleurs. Et je me dis. C'est élégant. Et je me dis. Et si c'était bien payé. Non, mais en plus, j'ai posé la question à Coé qui m'a dit non, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mais avec du recul, je trouvais ça hyper violent. Enfin, ça m'aurait fait marrer. Aujourd'hui, je pourrais le faire parce que j'ai beaucoup de recul. Du recul, mais sur le moment, c'était difficile. C'était l'anti-potiche, vous savez, il y a un moment donné, il ne faut quand même pas oublier qu'on sortait de la télé des années 80-90. Qui est toujours l'actuel d'ailleurs, par exemple dans des pays comme l'Italie où la jolie fille sert de déco, on lui fait lancer la pub et Cécile, c'était tout l'inverse de ça. Elle avait son rôle, elle prenait la parole s'engueulait comme elle le voulait avec qui elle le voulait. Si elle voulait faire une bise pour déconner, un bisou sur la bouche à Kevin Costner ou à d'autres, elle le faisait. En fait, elle faisait intégralement ce qu'elle voulait. On avait réparti les rôles au démarrage et puis après c'était le plus dingue que vous ayez fait, Cécile, vous l'avez fait Kevin Costner sur la bouche? Non, c'est le seul que... Non, je voulais Kevin Costner. C'est-à-dire mon truc... Il est ce soir dans l'émission, vous le verrez. Ça me faisait marrer, ça me faisait rigoler, finalement, de faire des bisous aux garçons, de me dire, ah là là, moi j'ai embrassé Will Smith et l'Alice, et ça faisait marrer les gens dans la rue, les filles me disaient, allez, vas-y, embrasse le prochain. Et Kevin Costner, j'étais ultra fan, mais ultra fan, et je le suis encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait totalement l'inverse. C'est-à-dire que quand Cohen me dit, à un moment donné, il me dit une question, et je lui dis, oui, je voudrais vous embrasser sur la bouche. Et Kevin Costner me dit à l'antenne, bah non, je viens d'arriver avec ma femme, qui était sublime d'ailleurs, que j'ai détesté tout de suite, qui était en loge, je viens de me marier, c'est compliqué. Et plusieurs fois, je le relance, et
Il me dit non et il finit par me dire oui. Et à la fin, je lui dis, mais ça va pas ou quoi pour que vous m'avez pris pour une fille facile. Voilà. Et j'aurais adoré le faire. Et Valérie, la méthode Coé, c'est aussi les premiers où vous avez mis en valeur des anonymes et des histoires. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des anonymes. C'est vrai, on parle beaucoup des stars. Et oui, mais il y avait aussi des anonymes incroyables. Est-ce que vous vous souvenez de votre plus grand fou rire? Ah, mais oui. Non, c'est notre ami portugais. Je pleure à chaque fois que je le regarde. Écoutez, je connais tout. Alors, Paulo, maçon, racontez-nous en quelques mots. C'est pas grave. C'est en portugais. Hein, moi, je comprends très bien le portugais. Comment vous avez découvert le trésor? Faire un trichet à côté d'une cheminée. C'est-à-dire, comment ça s'organise? Et vous avez découvert quoi? Il est incroyable ce moment. Hein. Non, il est dingue. Le fou rire, il faut quand même le dire, ça n'a jamais été une moquerie de l'accent du monsieur. Non. C'est parce qu'on était venu nous voir avant en nous disant, je vous préviens, il a un tout petit accent. Ça nous rappelle quelque chose. Et ce à quoi on dit au gars qui nous prévient, on dit oui, bon, bah d'accord, bah, c'est pas très grave. Et quand le monsieur, en fait, on était resté sur tout petit accent, et quand il. Et voilà, et j'ai fait un blocage là-dessus, et c'était. Mais enfin, on l'embrasse, ce monsieur. Ouais, on vous rappelle quand même le contexte, c'est que nous, on faisait les matinales le matin, donc on se levait à 3h du matin. Il y avait de la donc fatigue. Là, on était à 5h de tournage, donc de la fatigue, et bêtement, et ça a duré, mais je ne sais pas combien de temps, mais moi, plusieurs fois, je suis allée au maquillage, enfin, c'était. Et au début, il nous regardait comme ça. Il comprenait pas. Et ensuite, mais c'est pour ça qu'on est allé le voir tout de suite. Mais aujourd'hui, vous auriez toutes les ligues anti-racistes sur le dos. Bien sûr, sur l'accent. Oui, mais bon, si vous voulez par exemple disséquer comment s'appellent ces deux mecs que j'aime beaucoup là, qu'on fait le truc sur TF1, le spécialiste de la télé là, le machin chaud, le Palmachaud. Si vous voulez disséquer le Palmachaud, vous verrez qu'il y a des blagues où à chaque fois vous pouvez dire grossophobe, raciste. Le but du jeu à un moment donné, c'est quand même de savoir mettre une forme d'aigreur ou de repérage de vice, des fois dans des endroits inexistants, et pouvoir se dire quand c'est drôle, c'est simplement drôle. Nous, on a passé des années, moi je continue à la radio, sur Énergie tous les jours, à faire de la bienveillance. Alors des fois, on se rate. C'est vrai, quand vous faites des fois, moi ça fait bientôt, je fêtais mes 40 ans de radio, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, des fois vous vous ratez, ça arrive. L'exercice du direct, une blague que vous pensez drôle, elle n'est pas drôle, des fois vous remettez votre... Quand vous êtes en quotidien vous mettez, ou comme ça... Dans ce cas-là, vous vous excusez, vous dites si j'ai heurté quelqu'un, on s'excuse. Nous, on a toujours fait ces émissions pour faire rire les gens, faire rire des millions de gens, et je continue, et je crois même que je creuse un peu plus le sillon. Je trouve que dans cette période très agitée, quand les gens ont envie de rire, ils ont envie de bienveillance, ils ont envie de moquerie, peut-être de tout, y compris des institutions en ce moment. Mais voilà, il faut savoir se moquer et puis ne pas faire de mal dans un sens ou dans un autre. Chose importante qui arrive assez peu dans des émissions, c'est que d'abord on se moquait beaucoup l'un de l'autre, que l'équipe... Enfin, physiquement déjà, moi je pouvais me moquer de moi. Mais même moi, on se moquait beaucoup. Il y avait une vraie complicité, c'est ce qui On incitait les invités à nous vanner aussi, sur plein de sujets, donc c'était pas juste je vous envoie des vannes et je peux pas les récupérer. Et on leur disait toujours, et d'ailleurs dans plein d'émissions, moi je me suis fait vanner par plein de gens, et ça n'a jamais été un problème. Et au moins on était dans l'équité totale. Pourquoi c'est sur C8 et pas sur TF1? Je vous ai posé la question. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile, je ne suis pas là pour l'instant. Non, mais ça sert à rien, parce qu'ils ont dégainé vite. On avait fait d'abord des approches, moi, à ma propre maison. Bon, voilà, ça n'avait pas abouti. Rappelons quand même que C8 nous demande depuis 2 ou 3 ans de refaire. Oui, mais vous le referiez? Déjà sur TF1, ça ne les a pas intéressés. Non, vous savez, moi, je ne suis pas sûr que les choses doivent se refaire. Je pense que ce qu'on fait ce soir, c'est un cadeau. Pour le public, pour leur dire voilà, vous avez aimé une émission, vous nous en parlez depuis 20 ans. Voilà, on vous offre ça. Il faut remercier Cyril aussi, parce que à C8, c'est quand même Cyril Hanouna qui, à un moment donné, a dit je le veux, etc. Et qui a boosté le reste des équipes. Donc merci à lui. Mais c'est aussi un cadeau, sans aller voir plus loin que ça. Il y a pas, vous savez, des fois, vous mettez une émission et la chaîne vous dit attention, si ça fait un bon score, il y en a 50 derrière. Non, mais là, pas du tout. Là, c'est un cadeau que l'on fait au public pour leur dire quelque part merci. Et puis, je ne sais pas combien de temps il reste encore. Parce que c'est les 20 ans, c'est l'anniversaire. Ouais. Oui, ouais. Et puis demain, c'est le mien. Vous m'avez pris de vitesse. J'allais vous souhaiter un bon cadeau. J'allais vous souhaiter un bon anniversaire. Non, je n'avais pas prévu. Patrick Sébastien. Est-ce que...
Montez ma loge. Voilà. Et donc, ce que je voudrais, non mais je voudrais juste dire un merci parce que sinon j'aurais peut-être pas le temps de le dire parce que évidemment il y avait Cécile et moi, mais c'est une équipe de dingue la méthode Coé qui chaque semaine faisait 2h30 ou 2h15 de programme neuf où on effaçait le tableau de l'ardoise de la semaine d'avant. Et je pense, pardon, je vais le dire, je ne sais pas si en France, avant nous et surtout après nous, il y a eu des équipes qui ont su faire un tel travail. Et là, je me mets complètement en retrait parce que moi, j'étais j'étais celui qui mettait en musique l'histoire, mais on avait des auteurs incroyables. On avait Miko, Cartman, Jeff, on avait des gens, cette équipe-là, elle est restée ou pas? Ah ben moi, je suis tous les jours à la radio avec. Cette même équipe qui est là. Ben parce que vous avez tellement de trucs. Mais vous êtes le seul à avoir réussi à faire un talk show à l'américaine, ce que tout le monde veut faire et n'a jamais réussi. Parce que l'un de Arthur à Jean-Pierre Foucault. L'un des gros succès de la méthode, c'était que quand on a commencé la télé, on était déjà une bande rodée à la radio. Vous donnerez votre numéro de compte. Et on recevait aussi des stars qui nous avaient déjà eu ailleurs. Donc il y avait une espèce de mise en confiance et le reste après, amusement, rigolade entre nous. Mais il y a quelque chose que moi j'aime à dire assez régulièrement, c'est de dire que nous on s'amusait quoi. Nous on n'était pas en train de faire une émission de télé. On n'était pas en train de se regarder. C'est ça qui ressort quand on voit les extraits, c'est que ça paraît pas du tout formaté. Il y avait beaucoup de boulot derrière, comme dans beaucoup d'émissions de cette époque-là, mais qui avait une espèce de légèreté qu'on retrouve plus forcément. C'est aujourd'hui. Comme les Molières ici, Valérie. Quand on vous met la musique, c'est que vous devez arrêter. Oui, c'est fini. Bon, j'arrête. Allez. Bon, bah, c'est dommage. On aurait bien continué. En tout cas, nos auditeurs sont contents au moment de nostalgie. Bon anniversaire. C'est demain. Il peut arriver beaucoup de choses ici demain. Non, de la méthode. C'est ce soir sur C8. Regardez, 20 ans. C'est vraiment sympa. Ça commence par Céline. Céline. Vous croyez qu'il reviendrait? Je vous repose encore une question. Vous croyez qu'il reviendrait, ces gens-là, aujourd'hui? Les stars américaines? Oui, américaines, oui. Les Français, non. Allez, c'est fini. En même temps, il n'y a plus d'endroit pour les recueillir. Bisous. Bisous à Jean-Jacques.